Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Je suis trop contente, on va aller faire les petits magasins à Châtel. Donc comme vous avez pu le voir dans un précédent vlog, je sais plus lequel c'était. Je pense que c'est celui du tatouage. C'est à Maison du Monde et tout, j'ai vu plein de belles choses, vraiment de trop belles choses. Des trucs à épices, des petits bocaux, des petites choses comme ça que j'ai trop aimé. Et je voulais que mon conjoint vienne voir aussi ça là-bas avec moi. Faut que j'aille chercher un petit t-shirt. Il n'y avait pas ma taille à Rue de Rivoli, il y en avait à Châtelet, mais la flemme d'y retourner parce que j'avais fait tout le tour du magasin. Donc là j'ai envie d'y aller avec lui pour voir un peu bah, les petites choses, etc. Les petites décorations pour l'automne. Parce qu'il y a pas mal de... Enfin j'aimerais bien faire ma décoration d'automne très rapidement. Je suis très blanche là. Oh là là, Elisa, luminosité, il faut faire des réglages. C'est un petit peu mieux quand même, oui. Donc aujourd'hui... Il est actuellement quasiment 13h et je me suis fait un petit make-up, je ne sais pas ce que ça donne. Je trouve pas ça beau, je trouve pas ça estompé, c'est moche. Mais vas-y, j'ai la flemme de refaire. On va aller regarder à Bershka, je te jure c'est pas mal là-bas. Hein. Ils font des trucs pas mal pour les hommes. Je vais relooker mon homme encore une fois. Ah là là. Bon, on va aller à Châtelet, je vais en prendre ma petite caméra avec moi. Parce que je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de monde, donc je vais pas trop gêner avec ma caméra. Et puis bah c'est parti, let's go to Châtelet. On va peut-être faire un tour à Belle Épine, je sais pas si on a le temps parce qu'à Jiffy font des déstockages. J'ai pas oublié les masques hein, putain, chaque fois j'oublie. Nous sommes à Pont-Neuf, je ne vois rien du tout de ce que je fais. Alors, si vous allez à Châtelet un jour, que vous voulez aller à Châtelet-les-Halles, ne sortez jamais à Châtelet. Voilà. Si vous êtes sur la ligne 7, sortez à Pont-Neuf. Voilà, vous avez Louis Vuitton juste là. Vous avez Habitat aussi. Donc comme ça, vous êtes sur la rue de Rivoli. C'est joli. Et après, vous pouvez y aller à pied tranquillement à Châtelet. Vous avez genre, allez, 10 minutes de marche. Ah bébé. Look that. Ah bébé. Ça passe pas, ça. C'est pour laisser les pores, c'est tout. C'est tout? Bah oui. Oh merde. Tu mets de la coriandre dedans, ça sort pas là. Ah, c'est vrai, ouais, putain. Je mets trop. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Regarde. Je mets trop. Regarde, bébé, t'as les petits bocaux là. En vert. Ouais, mais ça fait carré encore. Sur un autre carré, c'est chiant. Ouais, fleurs comme ça. Je suis pas fan de fleurs séchées. Ouais, non, j'aime pas. Moi, je trouve. Dans les bouquets, ils sont pas mal. Mais... T'as vu, elle est planche. T'avais pas acheté l'autre? Non, c'est pas mal. C'est 1€, c'est chaque truc c'est des épices. Comme ça, là, ça passerait. Ouais. Mais on sait, enfin, cannelle, tout ça, on l'utilisera jamais. C'est pour ça qu'on choisit nos trucs, genre curry, je sais pas quoi. Mais pour ça, il vaut mieux un truc pour servir, pour pas en mettre trop. Ouf, ouais. Devinez où nous sommes. En fait, j'entends déjà la musique. Micromania, ça m'étonne pas. Ah, j'ai mon petit t-shirt, je suis trop contente, ça y est, je l'ai. Bon, j'ai faim, j'ai très très faim là. Donc là, on va aller à la Maison du Monde. Il y a plein de belles choses, hein. Mais il faut juste fouiller en fait. Faut juste. On va trouver. Ouais, on va trouver. Mais déjà, faut savoir ce qu'on cherche. Parce que fouiller et chercher un truc, quand ça va. Je sais pas. Moi, j'ai commencé à fouiller, je cherchais pas grand chose, tu vois. Je fouillais, je suis tombée sur des trucs trop bien. Ouais, mais des trucs trop bien qu'on peut pas prendre et qu'on peut pas utiliser. Quoi. Oh, il y a un Paul. Ouais, il y a un Paul. On va manger un Paul. On va manger au McDo. Vas-y, frère. Vas-y, encore un sandwich, frère. Hé, hey, le truc de salade César, là. Ah, mais c'était à emporter. De quoi? Tu sais, en bas, là, côté du Mouji, on avait mangé une salade et tout, t'as mangé une galette. Ah, ouais. Non? Voilà. Allez, Maison du Monde. Il y avait des belles choses que j'ai vues, en plus. Hein. Il y avait une jetée de canapé qui était trop belle. Attends. Ouais, genre quand tu jettes sur le canapé, je crois que c'était celle-là. C'était à 70€, elle est trop belle, j'aime trop. Touche la matière. Oh là là, j'ai touché la matière. Il me fatigue, elle est trop belle celle-là, je trouve. Ouais, mais tu vois, je suis pas très fan. Et ça, j'aimais bien aussi la matière. Ouais, ça fait blanc discret, tu vois. Ouais. Et après, tu mets un truc un peu plus marqué derrière, ça fait un contraste. Attention. De couleur. Bichette décorateur d'intérieur. Tu vois, j'aimais bien celui-là, je trouvais ça joli, ça couleur. C'est celui-là que je préférais. Mais il est trop... Il va vite se salir. On a rien de cette couleur. C'est pour ça qu'il faut un truc avec de la couleur. Non, justement. Il faut continuer avec rien de cette couleur. Moi, j'aime bien. Le truc avec les pompons aussi, il est beau. Mais pouvez lui donner un peu de goût, s'il vous plaît, parce qu'il n'aime rien. Moi, j'aime bien cette collection.
Oui, il y a des trucs qui sont pas moches, mais dans le canapé, en soi... Il faut visualiser. Ah, non, non, ouais. Tu vois, regarde ces beurettes là, sérieux. Je sais pas. Elles ont pris le bled, elles ont mis le bled sur elles en mode « Oh, c'est tout doux !» et... Ouais, je te jure, c'est Picasso, ça. Picasso, maintenant. Oh. Bref. Qu'est-ce qu'il a vu? Ah, ça y est, il a trouvé son putain de comme sablier. Qu'est-ce qu'il est beau, frère. Putain, il veut un sablier. Tu m'expliques le sablier, quoi. Ça, c'est utile, hein. Bah oui. Regarde. Celui-là, il est pas mal. Merci ça pour les fleurs. Encore moins. Je suis morte. Je te ramènerai les fleurs cramées de Truffaut, là. Ah, mais moi, ça me va, hein, du moment que j'ai des fleurs. Ça, on le veut. Et puis ça s'allume, tu mets ça dans le bureau. Mais moi, je veux le bar. Regarde là-haut, bébé, là-haut. Il coûte 35 euros. Ouais, moi, ce qui me dérange, c'est que ça me fait coller dessus. J'aime bien le grand sac, mais je sais pas à quoi ça sert. Mais je trouve ça beau. C'est celle-là que je t'ai montré. Celle-là qui était jolie avec la poignée en fer. Ouais, c'est celle-là de ta youtubeuse favorite. Non. Mais elle est non. Ah non, mais hier, je suis restée littéralement 20 minutes là. Un frigo, ça. Ah ouais, tu voulais un truc comme ça dans le frigo. Tu mets l'eau, tu mets que de l'eau froide. Mais ça passe pas là. Hein. Mais si, ça passe, frère. Non, ça passe pas. Si, ça passe. Une bouteille de jus d'orange, ça passe même pas, alors imagine ça. Une bouteille de jus d'orange, c'est vraiment ça. Hein. Non, c'est quoi. Une bâtisse. Oh, regarde, pour le café. Ouais. Ça n'a aucun sens. Ah, c'est ça, les petits pots là, beurre, mayo, sauce. Oh. Alors, moi, faut savoir, je suis restée au moins une demi-heure devant ce stand là. Je le trouve trop trop beau. Un truc un peu bistrot. Oh, il me fatigue avec son sablier de merde. Et en fait, on avait vu celui-là. Ah, oh, mais t'es casse-couille. On avait vu ces pots à épices. On aimait bien. C'était pas très cher, c'était 18 euros. Le problème, c'est que c'est trop haut. Bah, c'est trop haut et c'est trop large. Mais moi, j'aurais bien voulu juste prendre les pots à épices en fait. Non, au niveau de la largeur, je pense que ça irait, tu vois. Mais j'aime trop les pots, c'est exactement ce qu'on veut. On galère à en trouver. Et en plus, on peut écrire dessus, donc c'est trop bien. Genre. Si c'est nous qui écrivons, ça va être compliqué. Mais non, en tant que gauchère, attends, je l'ai mis aussi. Non, c'est bon. Je sais pas écrire, tu sais pas écrire. Oh, bah attends, je viens de voir qu'il y a de la lumière qui se met avec ça. J'aime trop, je suis trop fan de ça. Oh, non, ça j'aime pas. Même le truc de beurre, j'ai trop kiffé. Ouais, j'en réfléchis en toi. Oh, je veux ça, brochette partie. Brochette partie, putain. Même ces petits pots là, comme ça, je les trouve trop trop beaux. Mais il va pas, il aime pas. Mais ouais, ils font en bistrot et tout. J'aime trop cette catégorie là. Regarde, il y en a. Pour l'huile, c'est bien. Ouais, c'est trop bien. Ah bah, c'est ça que je te disais, mais vas-y, ça va coûter combien ça? Parce que sur Wish, on l'a vu celui-là. En fait, dans le métro, on a vu des trucs pour mettre les capsules. Et on a vu le cactus. Il me semblait bien l'avoir vu sur... 20 balles. Oh, 20 balles alors que c'est 10 balles sur Wish. Ça me fume, putain. Je fais ça pour mettre les bonbons. Mais ça, c'est vraiment pas mal pour mettre des trucs à Nespresso. Mais truc, ouais, on en a vu un. Ouais, on en a vu un qui est vraiment pas mal. Peut-être que je vous mettrai une insertion. Genre, c'est pas cher sur AliExpress. Ta position est incroyable. Ma position est incroyable. Je n'ai jamais vu une femme aussi bien positionnée. C'est sûr que je te disais que c'était joli. Regardez-moi ce trait de 99er qui n'est pas droit. Arrête. J'aime bien ça. Backface, mais c'est trop haut. Faut pas me donner la caméra, je vais faire que des conneries. En plus, tu sais même pas cadrer. Regarde, tu cadres quoi? Tu cadres mon cou. Regarde, non, mais je vérifie si t'avais une glotte ou pas pour être sûr que tu sois pas un. Aïe, tu vois, tu me fais faire des conneries. Vas-y, prends ta caméra là. Je ressemble à une youtubeuse après. On avait vu ceux-là de verre. Ils sont trop, 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 trop beaux. Comme ça, tu l'as vu tout de suite. Ouais, j'ai 2,29€, mais il est archi beau le verre. Genre, si j'avais de la thune, je les aurais tous achetés. Hein. J'aurais tout remplacé. Oh, ah non, c'est ce que tu m'avais montré. Ouais. Celui où c'est écrit water, et si tu mets du jus d'orange, t'as pas le droit de boire dedans. C'est ça, exactement. Un verre à eau. Donc là, on va aller manger dans ce restaurant-là. Si on peut manger sur place, normalement oui. Il est trop, 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 trop bon. Et c'est pas très, très cher en plus. Nous, ce qu'on avait pris la dernière fois, c'était un menu étudiant. Ah voilà, salade, boisson au choix, dessert au choix. Donc là, en fait, c'est des couverts en bambou, en bois. Et c'est jetable et c'est recyclable. Tout est recyclé en fait. Genre les serviettes et tout, les pailles. Et voilà la salade et les assiettes sont en carton, enfin en truc matière recyclable aussi. Ça a l'air bon ça. Ça a l'air archi bon. Et lui c'est pris une petite galette.
Et leurs crêpes, c'est un délice, mais un délice. Si je la prends au milieu comme ça. Moi, je prends cette partie-là. Moi, je prends cette partie-là. Mais elle est hyper bonne, vraiment. J'ai pris crème de marron. Là, on est en train de voir celui-là de manteau, il est super beau. Il a sorti au mien en plus. Et là, on est en train de voir pour un manteau de pluie parce que quand il est en trottinette, bah, c'est un peu compliqué. Donc là, on est chez Muji. Une petite, pour acheter 3 produits ou plus, moins 20%. Et j'aime trop leurs trucs. Je trouve ça tellement chou. Ils font des trucs de malade ici. Même les soins et tout, c'est beau. Alors, tout est beau. Tout est propre pour le make-up et tout. Ils font tout. J'ai acheté un truc, je vais te dire ce que j'ai acheté. Pour les washi tape. Ils font aussi des petits paniers et tout, trop mignons. J'aime trop, ils ont des housses de couette, maman, je vais aller les regarder. Elles sont trop belles. J'aime trop la housse de couette. Enfin, je sais pas ce que j'aime, c'est est-ce que c'est la couette à l'intérieur ou la housse ? Ça a l'air hyper moelleux. Voilà, c'est ça que j'ai pris. C'est tout doux. Incarné. Bon, c'est 59 euros, 49 euros. C'est un peu cher quoi. Bon, nous venons de rentrer. On a acheté énormément de choses. Vous êtes pas prêts pour le haul, le déco, beauté, mode et tout. Laisse tomber, on a acheté tellement de choses. Un peu, on a acheté beaucoup de choses. Ouais. Allez, je vous montre le haul maintenant. Je vous pose ici, tiens. Est-ce que vous êtes bien? Ah, je trouve un nouveau cadrage. On a tellement acheté beaucoup de choses que dans le couloir, on peut plus passer. Là. Ouais, on peut plus passer. Voilà ce qu'on a acheté. Ouais, trop beaucoup. J'ai enfin acheté mon t-shirt, celui que je voulais, le kaki là. Kaki. Voilà. Il était en réserve, il n'était pas du tout en exposition dans le magasin, donc c'est Pull & Bear. Je vous mettrai peut-être le lien en barre d'infos s'il existe encore. Donc je l'ai pris en taille M. Alors pour celles et ceux qui ont une grosse poitrine en taille M, genre moi je fais du B, en C, ça va être un peu trop just au niveau de la poitrine. Ça va faire des trucs comme ça, vous savez là. Ça va un justement, peu. Justement, prenez, ça va écarter les trucs là. Même moi ça commence un peu à s'écarter, donc je vais passer au faire passer pour que ça soit bien droit. Mais sinon j'aime trop la couleur. Et après elle dit que c'est moi qui suis fou. Ticket, ouais, ticket, ticket, ouais, ouais. Ouais, donc après, je sais pas où on vous a quitté. Je pense à Bershka, on a trouvé donc des manteaux à Mister. Donc je vais les commander sur Pull & Bear parce qu'il y a le cashback de eBay Club. Donc autant avoir un petit cashback, genre c'est 90 balles, s'il y a 5%, bah ça fait déjà 4,50€. On n'a pas trouvé de housse de coussin, de choses qui nous plaisaient. De coussin. Mais ouais, on a rien trouvé en housse de coussin. Peut-être en HMO, ma belle épine, il y a un petit peu plus de choses à HMO, mais c'est un peu plus clair, genre espacé, donc on voit un peu mieux les choses. Voilà, nous sommes rentrés, je suis extrêmement fatiguée. Après, on a fait un tour dans quelques boutiques. On est allé à Emma, on est allé dans un truc de cuisine, chez Simon, chez je sais pas où là. Ah, Simon, ouais, tout truc de cuisine, de couteaux, de machin, parce qu'il veut s'acheter des couteaux, mais. Son couteau il coûte 500 balles les gars, mais là. Ouais, le salaire que je gagne pas, moi là. La, tout ça pour couper du fromage là. Tu sais, c'est des couteaux japonais et tout, enfin beaucoup trop cher. En fait, c'est des couteaux japonais en damas. En damas, machin. Artisanalement, par un maître couteau japonais. Fin... Alors après, j'en avais marre, moi je voulais rentrer. Donc on va au Starbucks. C'est ça, hein? Do you want pasta with white? Ils sont pas au courant de ça, mais ils sont pas au courant de ce délire là. De quoi du white? Donc bref, on va chez Starbucks. Starbucks ferme, donc j'ai pas pu prendre mon réfraîche à citron vert. Donc je vais dans un autre Starbucks à côté de mon tatoueur. On arrive, bonjour, réfléchis à citron vert. Désolé, c'est en rupture nationale. Nationale, on peut pas le faire. Il y a plus de citron en France, là, dire. Donc j'ai pris un truc hibiscus et tout. Ah non, on a oublié le passage du bubble tea. On était dégoûtés du Starbucks, donc on va à un truc de bubble tea. En fait, il y avait beaucoup de monde, on s'est dit tiens, ça va être bon. J'ai pris un truc au matcha, mais je pensais que j'avais aimé. C'était dégueulasse. Et lui, il a pris un bon truc au fruit. On n'a pas tout expliqué. Ouh, chouquette. Je lui dis, tu prends pas tes matcha, c'est dégueulasse. Elle fait quoi? Elle prend les matcha. Et au final, c'était dégueulasse. Ah, c'était donc, dégueulasse. Donc voilà, moi j'avais pris un truc. C'était ananas fruit de la passion. C'était archi bon son truc. Mais vraiment, ça m'a choqué. Et c'était grand, en plus, c'était 700 ml. Hein, c'était énorme. Putain. Trop bon. Donc elle goûte.
Elle me tape une tête, frère. J'avais jamais vu sa tête se décomposer comme ça. Elle fait « Ah, c'est dégueulasse !» Mais c'est vraiment dégueulasse. En fait, c'est pas le thé matcha. C'est le lait. Le lait, il avait un goût de trop lactosé, tu vois. Genre, ça se voit que le lait, il est là depuis longtemps, tu vois. Et on est enfin rentré. Oh, j'avais trop mal au genou. Moi, faut savoir que mon genou, il se déboîte, en fait, quand je marche trop. Et je le sentais qu'il... Ouais, quand on marchait, ça faisait... Ouais, ça craquait. Donc bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui ficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.